et mon dynamique de concertation, de consultation, de discussion avec des amis et au niveau des partis politiques, de la société civile, des groupes de base, des syndicats. Et je dis à nous de supposer signer un accord de principe, un accord d'engagement pour l'unité du secteur démocratique et populaire. Et tout le bagage était prêt, nous consulter tout le monde, et vraiment. Mais il se trouvait que hier soir, il était pratiquement 11h du soir, on m'a parlé de hier jeudi 31 mai 2018 là, nous recevons une note et qui gagne signature 15 partis politiques là-dedans. Qui dit nous bon, il y a des réserves et sur ça qui va le faire là, même si on est d'accord avec des démarche là, ce qui est déjà positif, et on demande nous pour nous reporter. Le nous garder notre voie ben nous, hein, nous est petite Dessaline si un autre là tout, alors que petite Dessaline c'est un homme qui a une initiative ensemble avec nous, il a participé dans préparer texte accord d'engagement. On dit bon, écoutez, il faut écouter la voix de la raison, la voix de la sagesse, la voix de la maturité politique. Nous prenons décision. Là, nous faisons une conférence call. Il était pratiquement 1h du matin. Lorsque nous faisons une conférence call, moi-même, André Michel, Anthony Barbier, sénateur Nenel Kassi et ministre Marjorie Michel, nous quatre là, parce qu'il était difficile pour nous, l'autre monde, il était déjà très tard. Et finalement, nous prenons décision que nous stoppons l'activité, à nous renvoyer. Et nous dit du même coup, nous relouvrir discussion avec les partenaires du secteur démocratique pour nous capables de joindre un accord et écouter tout le monde sentir à l'aise là-dedans, parce que le plus important pour nous, c'est de proposer quelque chose et qui soit viable et sur le plan politique, et qui soit capable de rassembler le plus de gens possible, si ça n'a pas cherché, si ça nous voulait, eh bien, nous reporter lié et nous espérer que dans un avenir pas trop lointain, après une date cap fixée pour la présentation de la signature de cet accord de principe. Et nous croyons important, non moment côté il y a des signes qui montraient que nous avons glissé vers une dictature, ou un chef d'État qui prend arrêté présidentiel côté le pratiquement révoque un directeur général de la police qui a un mandat de 3 ans, il est censé dire tout ça qu'a fait dans la police, c'est lui-même qui pour faire avec le Premier ministre, li, ou un président et qui a bloqué une bataille contre Caribes qui font dimension internationale, ou un chef d'État qui sans projet, sans vision, on a besoin d'une opposition unifiée et qui puisse mener le combat démocratique. Pour nous, c'est urgent, mais attention, en politique, parfois, il faut faire preuve de sagesse, il faut faire preuve de capacité pour tendre l'autre là, pour essayer de comprendre. Et c'est exactement ce que nous avons fait en prenant la décision de renvoyer et activité. Ouais, nous signons, l'initiateur Beauplan, tout le monde signe. Nous dit bon, nous renvoyons. Et du même coup, officiellement, nous relançons les discussions avec nos amis pour trouver un accord le plus vite possible. Okay. Question de présenter à la nation ce projet d'alternative, ce projet d'accord pour l'unité des forces démocratiques. On espère bien le plus de monde possible parce que tout le monde engagé, les députés de l'opposition engagés, sénateurs engagés, dirigeants engagés au plus haut niveau, Chile lui ont engagé, nous tous nous engagés et notre travail et pour que vraiment nous arrivions à ça. Grand pilote monde qui déjà d'accord initiative là, hier nous parle à docteur Bito, il pensait son bon bagage, il était déjà disposé. En pile l'autre monde, pas besoin de citer non, monde dans tout pays a vraiment, on est en train de trouver quelque chose et de viable pour réaliser, pour valiser une véritable unité des forces démocratiques. Pour nous, c'est fondamental et le pays a besoin de ça. Ancien sénateur Jean-Charles Moïse mettait accent sur nécessité pour Genchita tendre dans mitan opposition pour yo capable retirer président Jovenel Moïse sous pouvoir. Dans une interview, ancien candidat à la présidence là recommandé pour gen passer mais qui fait dans document accord principe là. Jovenel Moïse doit quitter pouvoir, déclaration Jean-Charles Moïse dans micro qui tient Jean-Pierre Taylor. Il peut importe pas situation parti politique avec le conseil d'international qui réunit pour nous poser le problème pays et pour avancer. Non seulement pour nous démarquer le Moïse par rapport à l'affaire pays, mais en même temps tout pour nous capables de changer le système là. C'est qu'on documente écrit, même personnellement on a une réserve sur le document, on demande qu'il y ait des barrières pour corriger la dalle. Mon corps demande tout pour corriger, on fait des barrières la dalle. En plus, le personnalité politique demande pour porter changement dans le document, pour ne pas jamais porter correction à la dalle. Deuxième qui est réserve. Quel problème on a avec le document qui est écrit? Il faut qu'on structure qui doit prendre l'initiative là ensemble.
parce que chaque monde faut un comité qui pour bah chaque monde sa guité yo parce que souvent c'est ça le pas quoi deux ou trois monde pour aller là on fait ça au lavel laisse ça pour pas tomber dans même bagage qui te passer dans privé là. Deuxièmement, nous demander pour être capable et faire différence pour nous entre états généraux ou bien conférence nationale. Nous te dit faut une belle peine dans le cadre conférence nationale mais par principe nous même comme homme de gauche nous demander états généraux tout court parce que états généraux hein, les clairement les deux la vie avec l'autre système et ça que nous te dit dans le document faut mettre états généraux alors que l'autre conférence nationale là nous déjà flou bien plus loin encore que nous te fait cette recommandation pour que nous tous les gens qui nous parlent d'élection en bas là et pas de question de nous une élection avec un tel non nous clair Jovenel Moïse pas qu'à l'étendre dans le pays là tout coup c'est des pas Jovenel Moïse pour nous demander c'est ça me dit moi même nous connaissons un problème en tout même avec secteur démocratique et populaire nous sous la bonne d'union entre nous son route entre nous c'est le bagaille le fait que pays en fait confiance moi même nation fait plus confiance m'a rappelé quoi qui désobre des politiques pour amener le pays avec un chaos encore pour songer dans le dossier privé là nous sommes prudents des nations nous pas capable route privé là nous disons écoutez la mener nous je dis encore nous pas capable n'importe qui décision nous pas capable une décision après qui parle néfaste pour nous n'a pas de décision une fois pour tout n'a concert avec tout structure politique qui voulait pour nous avancer pour vivre devant je dis pas de question qui est monde toute entité toute leader politique toute organisation populaire paysanne femme étudiant toute organisation surtout parti politique qui d'accord pour un changement de la vie un point lié important pour que nous concertons après nous. Si je dis à un simple document qui est écrit, un simple texte qui est écrit, les petites divisions entre nous, je vais chacun garder les relations. Au contraire, on peut faire des corrections dans le document là, pour tout le monde sentir à l'aise, pour avancer au vide devant, parce que les pays ici en bouquet, ils sont fatigués, et ils comptent sur nous. Ils ne sont pas capables encore. C'est ça qui est un point lié important pour que les corrections qui mettent dans le document pour avancer. Et on a une dynamique de concertation, de consultation, de discussion avec des amis et au niveau des partis politiques, de la société civile, des groupes de base, des syndicats. Et je dis à des supposés signer un accord de principe, un accord d'engagement pour l'unité du secteur démocratique et populaire. Et tout le bagage était prêt, nous consulter tout le monde. Et vraiment, mais il se trouvait que hier soir, il était pratiquement 11h du soir, on m'a parlé de hier jeudi 31 mai 2018 là, nous recevons une note et qui gagnait signature 15 partis politiques là-dedans. Qui dit nous bon, il y a des réserves et sur ça qui pourrait le faire, la même chose, d'accord avec des marches là, ce qui est déjà positif, et ils demandent nous pour nous reporter. Le nous garder notre voie et nous avons petite Dessaline si un autre là tout, alors que petite Dessaline c'est un homme qui a une initiative ensemble avec nous, il a participé dans préparer texte. Accord d'engagement, on dit bon, écoutez, il faut écouter la voix de la raison, la voix de la sagesse, la voix de la maturité politique. Nous prenons décision. Et nous faisons une conférence call, il était pratiquement 1h du matin. Lorsque nous faisons conférence call, moi-même, André Michel, Anthony Barbier, sénateur Nenel Kassi et ministre Marjorie Michel, nous quatre là, parce qu'il était difficile pour nous, l'autre monde, il était déjà très tard, et finalement nous prenons décision que nous stoppons l'activité, nous renvoyons, et nous disons du même coup, nous relouvrons la discussion avec les partenaires du secteur démocratique pour nous capables de joindre un accord et écouter tout le monde sentir à l'aise là-dedans, parce que le plus important pour nous, c'est de proposer quelque chose. Et qui soit viable et sur le plan politique, et qui soit capable de rassembler le plus de gens possible, si ça n'a cherché, si ça nous voulait, eh bien, nous reporter et nous espérer que dans un avenir pas trop lointain, après une date fixée pour la présentation et la signature de cet accord de principe, et nous croyons important, non moment où il y a des signes qui montraient que nous avons glissé vers une dictature, ou un chef d'État qui prend un arrêté présidentiel, côté pratiquement révoquant directeur général de la police qui a un mandat de 3 ans, il est censé dire tout ça qu'a fait dans la police, c'est lui-même qui peut faire avec le Premier ministre. Li. Ou un président et qui a bloqué une bataille contre le Caribe, qui font une dimension internationale. Ou un chef d'État qui sans projet, sans vision. On a besoin d'une opposition unifiée et qui puisse mener le combat démocratique. Pour nous, c'est urgent. Mais attention, en politique, parfois, il faut faire preuve
de sagesse, il faut faire preuve de capacité pour tenter l'autre là, pour essayer de comprendre. Et c'est exactement ce que nous avons fait en prenant la décision de renvoyer et activité. Ah ouais, nous signons, les sénateurs Beauplan, tout le monde signe. Nous disons, bon, nous renvoyons. Et du même coup, officiellement, nous relançons les discussions avec nos amis pour trouver un accord le plus vite possible. Okay. Question de présenter à la nation ce projet d'alternative, ce projet d'accord pour l'unité des forces démocratiques. On espère bien le plus de monde possible parce que tout le monde engagé, les députés de l'opposition engagés, sénateurs engagés, dirigeants engagés au plus haut niveau, Chile lui ont engagé, nous tous engagés et notre travail et pour que vraiment nous arrivions à ça. Puis l'autre monde qui déjà d'accord initiative là, hier nous parle à Dr Bito, il passait son bon bagage, il était déjà disposé. En plus l'autre monde, pas besoin de citer non, monde dans tout pays a. Vraiment, on est en train de trouver quelque chose et de viable pour réaliser, pour baliser une véritable unité des forces démocratiques. Pour nous, c'est fondamental et le pays a besoin de ça. Ancien sénateur Jean-Charles Moïse mettait accent sur nécessité pour que Chita attendait dans mitan opposition pour être capable de retirer président Jovenel Moïse sous pouvoir. Dans une interview, ancien candidat à la présidence l'a recommandé pour que passer mais qui fait dans document à corps principe là. Jovenel Moïse doit quitter pouvoir. Déclaration Jean-Charles Moïse dans micro qui tient Jean-Pierre Taylor. Il peut être important situation. Parti politique avec conseil de personnalité qui réunit pour nous poser le problème pays et pour avancer. Non seulement pour nous démarquer le Moïse par rapport à l'affaire pays, mais en même temps tout pour nous capables de changer le système là. C'est qu'on document qui est écrit. Moi-même personnellement, j'ai une réserve sur le document. Je demande qu'il y ait des barrières pour te corriger la dalle. Mon corps demande tout pour corriger ces barrières la dalle. En plus, le personnalité politique demande pour porter changement dans le document. Pour que je vais porter correction la dalle. Je demande une réserve. Qui problème vous avez avec le document qui est écrit? Il faut qu'on structure qui doit prendre l'initiative là ensemble. Parce que chaque monde, il faut un comité qui pour chaque monde de faire parce que souvent c'est ça, le va être deux ou trois mondes pour là, on fait ça au lavel. Laisse ça, on va tomber dans le même bar qui est passé dans le privé là. Deuxièmement, nous demandons pour être capable de faire différence pour nous entre États généraux ou bien conférence nationale. Nous dit, pour tu n'es pas de la conférence nationale. Mais par principe, nous-mêmes comme hommes de gauche, nous demandons États généraux tout court. Parce que États généraux, les clairement les doux, la vie avec l'autre système, et ça fait nous dit dans le document, il faut mettre États généraux. Alors que lors du conférence nationale là, nous avons déjà flou. Il y a un peu d'autres points qui ont été faits certaines recommandations pour que nous devions parler d'élections en bas là. Et pas de question de nous avoir une élection avec un tel. Non, nous clair, Jovenel Moïse n'a pas été dans le pays. Tout coup, c'est des pas Jovenel Moïse pour nous demander. C'est ça, me dis moi-même. Nous connaissons un problème en tout même avec le secteur démocratique et populaire. Nous sommes là pour nous d'ajouter en tant entre nous. C'est le bagaille. Le fait que les pays ont fait confiance moi-même. Nation fait plus confiance. Je ne vais pas prendre une porte qui est des décisions politiques pour amener les pays avec un chaos encore. Pour songer dans le dossier privé là, nous sommes prudents. Nous sommes des nations, nous ne pouvons pas prendre une route privée là. Nous disons, écoutez, la mener nous. Je dis encore, nous ne pouvons pas prendre n'importe quelle décision. Nous ne pouvons pas prendre une décision après qu'il parle néfaste pour nous. Nous prenons une décision. Une fois pour tout, nous concertons avec toute structure politique qui voulait pour nous avancer pour vivre devant. Je dis, pas de question qui est monde derrière. Toute entité, toute leader politique, toute organisation populaire, paysanne, femme, étudiant, toute organisation, surtout parti politique, qui est d'accord pour que le changement de la pays, nous prenons l'important pour que nous concertions avec nous. Si je dis à un simple document qui est écrit, un simple texte qui est écrit, les petites divisions entre nous, je ne vais pas gâter les relations. Au contraire, on peut faire correction dans le document là, pour tout le monde sentir à l'aise, pour avancer au vide-ouvre, parce que les pays ici en bouquet, ils sont fatigués, et on compte sur nous. Ils ne sont pas capables encore. C'est ça que je crois que c'est important pour que la correction qui est dans le document pour nous.